À une époque lointaine, lorsque les miracles se produisaient encore, il existait une clé magique ouvrant la porte du monde enchanté de Simsala. Là où vivaient vraiment tous les personnages des contes de fées. Abracadabra, Simsala Grimm. Êtes-vous prêt à vivre une nouvelle aventure? Alors, en piste! Allez, on y va. Je crois qu'ils ont besoin d'aide. Tiens, des visiteurs. C'est tellement inhabituel. Pourriez-vous me dire qui vous êtes exactement? Moi, je m'appelle Yo-Yo. J'ai pour mission d'être aventurier. Et cela depuis toujours. Permettez-moi de me présenter. Je suis le docteur Croc, philosophe très érudit et virtuose. Enchantée. Je m'appelle Johanna et voici John qui est mon frère jumeau. Ravi de vous connaître. Dites-moi, pourquoi est-ce qu'on vous a enchaînés tous les deux de la sorte? Avez-vous fait quelque chose de mal? Vous n'êtes rien d'autre que de paresseux, de bons à rien. Je ne vous ai pas autorisé à vous arrêter, hein? Alors vous allez continuer à pousser cette roue, c'est compris? Sinon, vous serez privé de nourriture jusqu'à la fin de la semaine. Allez, suis-moi, Grimalda. Assez perdu de temps. On va dîner. Oui, je viens. J'arrive, ma maman chérie. Si seulement notre vraie mère était là. Ça va aller, petite sœur. Ne pleure pas. Doc, nous devons faire quelque chose. D'accord, mais un instant, tu veux bien? Je ne voudrais surtout pas être indiscret, mais dites-moi, si cette femme est votre belle-mère, où est votre vraie mère? Que s'est-il passé? Cette mégère l'a tuée. Elle voulait le moulin. Elle le voulait pour elle et pour son ignoble fille. Nous étions très jeunes quand ça s'est passé. Et depuis cette époque, nous vivons enfermés dans cette pièce. Si seulement on pouvait prévenir le roi, je suis persuadée qu'il nous aiderait. N'y pense plus, on ne sortira jamais. C'est faux, il y a toujours de l'espoir. Dis-leur qu'on va trouver un moyen de les aider. Oui, il n'y a qu'à juste étudier un plan. Bonne idée. Premièrement, où se trouve la clé? Pendue au cou de notre belle-mère. Hein? Ah, génial. Merci pour votre aide. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à trouver le roi. Il faut qu'on se dépêche, car lorsqu'elle s'apercevra qu'on n'est plus au moulin, elle va utiliser la sorcellerie pour essayer de nous retrouver. Est-ce que le château du roi est loin? Je ne sais plus très bien. Il devrait être quelque part, juste derrière, là. La forêt? Oh, non, je n'aime pas cet endroit. Viens, ce n'est rien. Quack, quack, quack.
Ma clé a disparu. Où peut-elle être? Anne, qui a osé me la dérober? Non, c'est pas possible. Voyons, mère, dites-moi ce qui vous arrive. John et Johanna se sont échappés. Bon, pas de panique, il faut réfléchir. Mais oui, où sont-ils allés en priorité? Chez le roi. C'est évident. Il faut que je les retrouve très vite, Grimalda. Je n'aimerais pas qu'ils dévoilent notre petit secret. Miroir magique, laisse-moi voir où sont les enfants. Où sont-ils? De l'eau. Ah, j'ai tellement soif. Ça alors. Vous avez pensé m'échapper un peu trop facilement, mes chers petits anges. Attendez un peu que je fasse disparaître ces sourires de vos jolies petites frimousses. Eau empoisonnée. D'ouest en est, celui qui la boira deviendra une bête. De l'eau, allons-y. Qu'est-ce que c'est que ça? Johanna, regarde un petit peu ici. Maman. Maman. Mes enfants chéris, ne vous approchez surtout pas de cette eau. Votre méchante belle-mère a empoisonné les mares et les étangs de la forêt. Elle a jeté un sort. Elle est diabolique. Si vous buvez de cette eau, vous serez maudit à jamais. Attends. Oh, maman, reviens. Cette eau a vraiment été ensorcelée. Oh, est-ce que tu pourrais répéter ce que tu viens de dire? Regarde! Il y a un autre point d'eau là-bas, viens! Ne bois pas, mon fils chéri, ou en animal tu seras transformé. C'est cette vieille sorcière. Elle a dû jeter un sort sur toutes les eaux qui sont dans cette forêt. Oh, oh, j'ai tellement soif. Je vais aller m'humecter les lèvres. Fais attention. Sois prudent, John. John! Oh, elle a l'air tellement bonne. Viens boire, viens. Oh, c'est formidable. Arrête, John. Arrête, je t'en prie. Oh, maman. Un cerf. Parmi mes nombreux sortilèges, il a eu la chance de tomber sur le moins mauvais que je possédais. Oh, John, je t'avais pourtant dit de faire attention. Je suis désolée, Johanna. J'avais tellement soif. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Hé, hey, Doc! T'as pas l'impression que quelqu'un nous regarde? Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Incroyable! Ce sont deux ignobles gnomes pleurnichards qui essayent de les aider. Attendez un peu que je vous mette la main dessus et vous serez transformés immédiatement en horrible crapaud. Hé, on pourrait peut-être passer la nuit dans cette maison. Oh, c'est vraiment trop sinistre ici. Oui, tu as raison, mais on n'a pas trop le choix. Et je suis tellement fatiguée. Oh, John, mon petit frère que j'aime tant. John, qu'est-ce qui t'arrive? Il faut que j'aille dans la forêt. J'ai besoin de courir. Je ne peux pas rester enfermée plus longtemps. Tu ne devrais pas sortir. Je crois que ce serait trop dangereux. Reviens, s'il te plaît, John! Oh.
John! John! Oh, réveillez-vous! Vite, réveillez-vous! C'est toi. Vite, vous n'entendez rien? Là, le corps! La chasse à courre commence! Il y a plein de chasseurs! Tout cela me paraît logique, ma chère enfant. Nous sommes dans une forêt. Il est normal qu'il y ait des chasseurs. Mais John est parti dans la forêt! Et c'est grave, il faut qu'on puisse le récupérer avant que les chasseurs ne le trouvent! Hé, qu'est-ce qui se passe? Quoi? John est parti dans la forêt? Mais pourquoi ne le disais-tu pas? Hé, Doc! Il faut sauver John! John! Vite, Doc! Mais que se passe-t-il? Les animaux sont en vacances? Hélas, on le dirait bien, Votre Majesté. C'est calme, on aura peut-être quand même la chance d'avoir ce cerf. Vite, poursuivons-le! C'est le roi! Oh, ça c'est vraiment une aubaine! Toi qui voulais lui raconter la façon dont te traite ta belle-mère! Pour l'instant, ils sont en train de pourchasser John! Oh, c'est pas vrai ça! Mon pauvre petit frère adoré! On te protégera, John! Yo, oh. Il se dirige par ici, on dirait! Oh, John! Ils vont tirer! Je l'ai! Mon cher frère! Mais qu'est-ce qui a bien pu arriver à Johanna? Ça suffit! Du balai! Vous ne croyez pas que vous avez fait assez de mal comme ça? Quel aplomb! Pourrais-je connaître votre nom? Mon ami et moi sommes les gardes du corps de John et Johanna. Oui, mais on dirait qu'on n'a pas très bien fait notre travail, en l'occurrence. Je vois. Alors, si c'est Johanna qui est ici, où est John? Eh ben là, c'est lui, John. Et c'est lui que vous avez lâchement blessé. Le cerf? En route. On rentre tout de suite au château. On les soignera tous les deux. Sauf si vous n'êtes pas d'accord, noble protecteur. Dites-moi, cher confrère, j'ai une petite question à vous poser. Quel genre de mixture avez-vous employé? Un doigt de clou de girofle, de la sève d'aloès, et puis une autre herbe avec un nom très long que j'ai oublié. Oui, je vois, c'est Benapanpatos. Oui, c'est ça, exactement ce nom. Ce qu'il lui faut maintenant, c'est du silence et du repos. Le temps fera le reste. Maintenant, il faut aussi que je m'occupe de la jeune demoiselle. C'était tout à fait prévisible. C'est-à-dire? Qu'est-ce qu'elle a? C'est tout à fait le cas classique du syndrome d'empathie entre jumeaux. Ce que l'un ressent, l'autre le ressent également. Même la douleur. Jumeaux? Alors, où est le deuxième? À son côté, Votre Altesse. John est son frère jumeau. Quelque chose m'échappe. Comment peut-on imaginer qu'une jeune fille et un animal aient le même sang? John et Johanna étaient retenus prisonniers au moulin par leur très méchante belle-mère. Quand elle s'est aperçue qu'ils avaient réussi à s'échapper, elle leur a jeté un sort. Et John a été transformé en cerf. La certitude que l'on peut avoir, c'est que si John guérit, alors Johanna guérira à son tour. Oui. Regardez, elle se réveille. Johanna, je suis vraiment désolée. Comment vous sentez-vous maintenant? Ça va mieux, oui. Je vous remercie, Votre Majesté. Reposez-vous, cher enfant. Vous êtes en sécurité ici. À condition que leur méchante belle-mère ne leur joue pas un sale tour, il faut surveiller. Est-ce qu'elle va se remettre complètement? Cette jeune fille est terriblement fatiguée, mais je pense qu'avec un peu de repos et des bains avec des herbes... Vite, un bain! Je veux que vous y versiez des pétales de rose, des essences de pin... Et de la lavande. C'est ça, de la lavande. Et disons, mettez tout ce que le docteur vous demandera. Merci de votre confiance, Majesté, je vais faire de mon mieux pour elle. Maintenant qu'ils ont trouvé le roi, qu'est-ce que nous allons faire, mère? Je crois que le roi est en train de tomber amoureux de Johanna. Il n'y a qu'une seule solution. Tu verras, c'est simple, efficace, fatal. Bonjour, très cher monsieur.
Personne ne peut entrer ici sans l'accord de Sa Majesté. Mais je ne comprends pas. Nous apportons des herbes et des huiles rares commandées par Sa Majesté en personne. Regardez. Et vous pouvez même les sentir si vous voulez. Ça sent très bon, mais Sa Majesté m'a donné ordre de ne laisser personne. Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis certaine, gentille dame, que ces essences spéciales vont vous plaire énormément. C'étaient les préférées de madame votre mère. Elle les adorait. Ma mère? Mais dites-moi, comment vous avez pu connaître ma mère? J'aime pas ça. Je me sens mal. John, on s'endort pas comme ça. C'est curieux. Qu'est-ce qui lui arrive debout? Et maintenant, c'est à toi de jouer, ma fille adorée. Bois ça. Avale tout. Quelle horreur! Regarde. Mais on dirait le visage de Johanna. Oui, sauf les yeux, peut-être. Alors cache-les un peu, mon ange. Notre plan va se dérouler parfaitement. Encore mieux que je n'osais l'espérer. Votre Majesté, selon vos désirs, la demoiselle Johanna est ici. Garde! Garde, laissez-nous! Belle Johanna, mon cher père m'avait dit, à l'époque où il régnait encore, qu'un roi ne pouvait pas régner sans avoir une reine. Je cherchais très longtemps, un peu partout, une femme qui serait telle que vous. Je considérerais comme un honneur si vous deveniez ma femme. Bien entendu, nous partagerions aussi ce royaume. Eh bien, je suis si surprise. Pardonnez-moi, je crois que vous êtes épuisée. Peut-être qu'on en reparlera un peu plus tard. Je suis à votre disposition, votre majesté. Ouais. Je serai très honorée d'être votre femme et par là même devenir reine. Vous voulez? Je suis émue. Je veux qu'on se marie le plus vite possible. Demain, c'est la cérémonie de notre mariage et Johanna aura le cœur brisé si John ne peut pas être là. Je ne comprends pas ce qui se passe, Sir. Il allait beaucoup mieux. Il avait presque recouvré toutes ses forces. Maintenant, son cœur bat très, très faiblement. Si votre théorie sur les jumeaux est exacte, dans ce cas, Johanna ne devrait pas aller bien non plus. J'en ai bien peur, oui. Il faut l'envisager. Ça n'a pas de sens. Je viens de lui parler et elle allait parfaitement bien. En effet, cela semble bien étrange, Votre Majesté. Je trouve ça tout à fait curieux, tout à fait. Doc, réveille-toi. Doc, là, c'est le fantôme. Hein? C'est Johanna. Johanna. Mon petit frère bien-aimé, pourquoi t'a-t-elle fait tant de mal? John, c'est notre méchante belle-mère qui m'a empoisonnée. Je sens qu'il n'y a plus la moindre énergie en elle. Voilà qui explique tout. C'est pour ça que John est aussi faible. Viens, Doc. Il faut aller prévenir le roi. Allons-y. Laissez-nous passer, on va voir le roi. Par là. Il se fait tard. Allez vous reposer afin d'être en forme demain pour la grande cérémonie. Oui, sire. Comme il plaira à votre majesté. Avant que vous ne sortiez, j'aurais beaucoup aimé vous offrir un présent. Que souhaiteriez-vous avoir, ma promise? Je n'en sais rien, je n'en ai aucune idée. Voilà, en fait, il y a bien quelque chose que j'aimerais avoir. Dites, je vous l'offre. Le cerf. Je voudrais qu'il soit mort. Pourquoi? Hein? Enfin, John est votre frère jumeau. C'est trop dur de le voir souffrir. J'ai
une minute à perdre, Yo-Yo. Il faut qu'on trouve un moyen d'attirer son attention sur nous. Bien. Si tel est votre désir, j'y souscrirai. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Mais que se passe-t-il? Hé hey! Revenez. Non. Johanna? Mon frère bien-aimé. Oh, attendez, je vous en prie. Majesté, majesté, on vous a abusé. Celle que vous croyez être Johanna et sa servante ne sont en fait que la belle-mère et la demi-sœur des jumeaux. Elles ont empoisonné Johanna et Grimalda a pris sa place. Non, tout ça est impossible. Nous avons entendu crier, sire. Vous n'avez pas eu de problème. Approchez, toutes les deux. Dites, ma chère, pour quelle raison ne me regardez-vous jamais dans les yeux lorsque je vous parle? Impossible! Vous avez osé offenser ma puissance maléfique, vous me le paierez. N'approchez pas de moi. Essayez d'appeler du renfort, hein? Et je vous transforme en pierre. Vraiment très bizarre. J'ai rêvé que... Oh, oh majesté! Johanna, chérie! Maintenant, cette horrible malédiction est enfin rompue à jamais. Qu'en pensez-vous? Ne trouvez-vous pas ça décoratif, monseigneur? Johanna, je suis tellement heureux que vous ayez accepté de devenir ma femme. Excuse-moi d'interrompre cette petite collation, John, mais si je peux te suggérer... Doc, je suis certain qu'il peut très bien se débrouiller tout seul. Viens, laissons-les en famille. Au revoir. Bonne chance, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir, mes amis. À bientôt. Simsa. Simsala. Simsalagrim. Et ils vécurent heureux. Heureux. Pour toujours. Viens, donne-moi la main pour suivre le chemin d'un paradis rempli d'amour où chantent les jours. Viens, donne-moi la main pour suivre le chemin. Chemin d'un paradis rempli d'amour où chantent les jours. Donne-moi la main pour suivre le chemin.